Et salut à tous, c'est Jamie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Paradise. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, c'est parti pour la suite. Donc, les amis, dans le dernier épisode, on s'était fait capturer par les rebelles. On avait réussi à s'enfuir de notre petite cage et on avait fait la rencontre de Siri, qui s'occupe de l'armée rebelle. Il y a commande. Je sais pas exactement si c'est le chef, mais en tout cas, il y a dirige. Et c'est une personne que l'on connaissait de Genève, avec qui on partageait des croyances et le fait qu'on était contre ce qui se passait actuellement en Mauranie. On est la fille du roi Rodon. Voilà, maintenant, elle en est certaine. Elle le sait. Et Siri nous a proposé un petit pacte, c'est de faire abdiquer Rodon. Voilà, il nous a proposé de mettre un terme à cette guerre. Donc écoutez, on est actuellement sur le coffre noir. Dans le dernier épisode, on a fouillé un petit peu, mais on n'avait pas trouvé de passage. On avait fouillé cette caisse et on avait récolté, je crois que c'était une grenade fumigène. Et je ne sais pas du tout où aller. Donc, je vais retourner en haut, j'ai peut-être loupé quelque chose. Alors la canne à pêche, on ne peut pas la prendre. Je vais monter. Je trouve que cette bouche d'aération là m'appelle gentiment, mais je n'ai aucune action à faire dessus. Je ne comprends pas. Pourtant, j'aurais bien balancé la grenade fumigène à l'intérieur. Je sais même pas s'il y a du monde dans ce bateau. Mais écoutez, techniquement, c'est quand même la forteresse du roi Rodon. Donc s'il y a encore quelques partisans, il devrait pouvoir se faire défendre. À moins que tout le monde s'est barré, je ne sais pas. Déjà, il était associé aux indigènes, les boulous, à qui il a, je crois qu'il les a trahis tout simplement. Hein. Et donc du coup, les boulous, un peu en travers, je crois qu'ils aident un petit peu les rebelles maintenant. Enfin, ils les aident. En même temps, ils étaient enfermés quand même par les rebelles, mais c'est un petit peu bizarre. Tout le monde se bat pour sa cause. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on peut sortir du coffre noir? On va voir. On a pas... Là. D'accord. Il y a trop de singes, je ne peux pas l'atteindre. Ah, ben voilà, on sait à quoi va nous servir notre petite grenade fumigène. Donc, le roi Rodon n'a pas de soldats, mais il y a plein de macaques, quoi. C'est eux, ces soldats, quoi. Une belle bande de petits sauvages. Je peux entrer maintenant. D'accord. Oula, je sais pas où j'ai tiré. Moi, je serais dangereuse à la guerre, laisse tomber. Hein. Faut pas me laisser le canon. Hein. Non, ça risque de faire couler le coffre noir. Ouais, non, ça c'est vrai. Ah, elle me fait de l'œil sexy. Ah, loupé. Chargé. Tirez. Et voilà. Cible détruite. Voilà, il faut juste que je me fasse la main, finalement. Hein. On peut me laisser la charge du canon en pleine guerre. La téléportation de Maika. Putain, elle a des pouvoirs surnaturels, la nana. Elle aurait pu faire ça direct en fait, hein, au lieu de tout faire sauter. Donc, on est enfin dans le coffre noir, dis donc. On va essayer de le fouiller un petit peu, si on peut avancer. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer par terre? Non. Ah.
Attendez, j'ai pas vu. Est-ce qu'on peut passer par la porte là? Non. Et apparemment, on ne peut pas aller derrière. Ok, bon. On va suivre le couloir. On va bien arriver quelque part. Alors, on a... Alors ça doit être pour sortir. Ici, ça mène où? Dans un autre couloir. On va se paumer là-dedans, je sens. Attendez, attendez. Hop, un petit jerrycan. Dans les aventures de Benoît Soka, il y a toujours un jerrycan. Dans la Merzone, dans Mafia, dans Paradise, dans l'île noyée, je m'en rappelle pas. Mais c'est fort possible. Hein. Il y a toujours un petit jerrycan à un moment dans l'histoire. Alors. Ok, donc ça ne fonctionne pas. Il nous faut faire une autre manipulation. D'abord, ça ne fonctionne pas. Non, c'est trop dangereux. Il y a des câbles électriques qui pendent dans l'eau. Ok, d'accord. Donc c'est une salle inondée. Il va falloir que l'on vide la cale, apparemment. La cale ou la salle, hein. Je ne sais pas exactement... Dans quel endroit on se situe? On va peut-être déjà allumer, ce serait bien. Ah, attendez. Ça, il faut qu'on le mette dans le wagon. Non, c'est le bouton du milieu. Non plus. Ensuite. Et je crois que l'autre espèce de tête de félin, je sais pas, on dirait c'est un mix entre une tête de singe et une tête de léopard, quoi. C'est une tête de félin, quoi. Ok, donc on y a mis du charbon, pardon. Oula, ça ne va plus. On y a mis du charbon. Ensuite. Ah, là on reconnaît bien la patte de Benoît Soka avec ses petits automates. Ça, j'aime ça. Ok.
D'accord. Ah ok, je crois que j'ai compris. Ah, attendez. Belle cheminée. En tout cas, ça a allumé la lumière, le courant. Donc je pense que la console, là, on va pouvoir l'utiliser maintenant. Alors je sais pas les amis si ça va être le dernier épisode. Je me rappelle pas si c'est long ou pas dans le coffre noir. Donc écoutez, on verra bien. Je ne sais pas du tout. On verra la durée de cet épisode. Est-ce que je le rallonge un peu si c'est l'épisode final. Le problème c'est que comme je ne sais pas du tout quel temps ça va mettre, ce serait bête de couper et de faire un épisode trop court derrière. On verra bien, écoutez, on va avancer et on va voir. Autant dans la salle suivante, je suis bloqué, on va voir. Ça devrait être bon, l'eau est évacuée là. Ah, il est parfait. En tout cas, pour l'instant, on avance bien, je suis bien contente, on n'est pas bloqué. Et les mécanismes sont assez logiques pour l'instant. Alors, là, c'est pour remonter, je suppose. Là, on ne peut pas y aller, on va continuer. Et on va avancer tranquillement. Ah, il y a un ascenseur. Ah, attendez, hop. Bonjour monsieur. Ah, te voilà enfin, Malka. J'ai besoin de toi. Ah mais c'est pas le bulu, le bulu qu'on a libéré de la cage qui était enfermé avec nous, je crois que c'est lui. Hein. Wamganga ? Mais comment vous êtes arrivé là ? Je suis Wamganga, le sorcier. Moi je me téléporte, alors tu peux pas faire mieux que moi. Wamganga, il y a des petits singes qui grouillent partout, ils semblent avoir envahi le navire. En Morani, quand on voit un singe cafard sur la branche d'un arbre près d'une maison, ça veut dire qu'il va y avoir un mort dans cette maison. Les singes cafards sont attirés par l'odeur de la mort. Et ici, ils sont venus par centaines. Alors comment expliquez-vous que ces singes soient si nombreux ? C'est la fin d'un monde, Malkia. Que puis-je faire pour vous, Wamganga ? Dans la salle des trésors, il y a une petite statuette que j'aimerais récupérer. Pourquoi n'allez-vous pas prendre cette statuette vous-même ? Pour un boulou, cette salle est interdite. Je ne peux pas y pénétrer. Il dit boulou, lui. Il s'appelle boulou, pas bulu. C'est moi qui dis n'importe quoi. Enfin, c'est pas grave, écoutez, c'est pas bien important. Bien, je vais faire ce que je peux pour vous rapporter cet objet. Je t'en suis infiniment reconnaissant, Malka. Elle représente les boulous. Celui qui la possède a un grand pouvoir sur mon peuple. Les temps sont troubles. Je n'aimerais pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Où se trouve la salle des trésors ? Elle est juste derrière les archives, là-bas. Au revoir. Malka. Ok, bon, on peut aller par là-bas ? Oui. Ah, il y a un mec, là. Un numéro de téléphone. 04-41-02-45 ou 48, 30 et peut-être 10. Non, 16. Ça se lit mieux comme ça, quoi, dis donc. Bon, je ne sais pas si c'est important, est-ce qu'il faut noter le numéro ou pas, je ne pense pas. On va essayer de parler à lui, là. Le rescapé. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas croisé grand monde là-dedans. Bonjour, je m'appelle Malkia. J'aurais voulu vous parler. Malkia Rodoncrown, fille de Sa Majesté le Roi Rodon IV, de nationalité moranienne, née le 25 du 10 1927, et de Karine Crown, de nationalité française et demeurant à Genève, 5 quai de l'Horloge, née le... Oui, sans doute, oui.
c'est ça? Je suis passablement satisfait de vous voir en vie, Mademoiselle Rodenkraun. Mon nom est Rudolf Kretzelburg. J'ai en charge de gérer les biens de Sa Majesté Rodon IV et par conséquent, de la Moranie tout entière. Vous êtes en quelque sorte un banquier. Je suis depuis plus de 20 ans mandaté par la Zurich Bank of Africa pour administrer de visu, et donc sur place, les avoirs de votre père, mademoiselle. Que contiennent tous ces dossiers? Tout est recensé, mademoiselle. Les relevés d'impôts de tous les sujets de ce pays, leurs comptes en banque, les transactions, les contrats commerciaux, les comptes et les avoirs à l'étranger, etc. J'en passe et des meilleurs. Bref, tout ce qui concerne les richesses de la Moranie, et donc, indirectement, la fortune de Sa Majesté Rodon IV. Je pourrais jeter un œil à cette paperasse, Monsieur Kretzelburg? Non, absolument pas. Ce sont des documents strictement confidentiels. Une sorte de confession intime entre Sa Majesté et la Zurich Bank of Africa, voyez-vous. Monsieur Kretzelburg, savez-vous qu'il y a un sorcier en méditation devant la porte de vos bureaux? Je n'aime pas ces sauvages, surtout ces boulous. Des gens auxquels on ne peut absolument pas se fier, très dangereux. Même si je suis obligé de leur reconnaître quelques talents pour tirer l'oreille des mauvais payeurs de ce royaume. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour que vous leur en vouliez autant? Des hommes de main pour toutes les basses besognes de Sa Majesté. Des tueurs qui n'attendent que l'ordre de leur maître pour commettre les pires exactions sur une population terrorisée. Je me suis laissé dire qu'ils avaient été tous congédiés. Ce n'est pas trop tôt, croyez-moi. Le navire semble envahi de ces curieux petits singes verts, Monsieur Kretzelburg. Ah, vous avez remarqué aussi. Il y en a partout. Ils dévorent tout ce qu'ils peuvent. Ils s'attaquent à mes dossiers. Ils sont pires que des rats. Les rats, eux, s'empressent de quitter un navire qui sombre. Mais pas ces singes, mademoiselle. Vous connaissez bien le roi? Je connais ses comptes, mademoiselle. Autant dire que je connais son âme. Où est-il? Où se cache Rodon? Quelque part d'où rien ne lui échappe, mademoiselle. Il rôde ou se cache. Il écoute les craquements de la coque de ce bateau qui petit à petit s'enfonce dans les marais. Vous n'êtes pas d'ici, Monsieur Kretzelburg? Ah, bien trop longtemps. Ils ont dû m'oublier là-bas à Zurich. Pourtant, je ne peux tout de même pas terminer ma carrière ici, dans ce pays de sauvages et de bêtes féroces. Ah. Dire que je pourrais être en train de travailler pour le roi de Norvège en ce moment. Mm-hmm. Vous n'avez pas l'air très heureux de votre sort, Monsieur Kretzelburg? Bien sûr que non. Ce climat est insalubre. L'air qu'on y respire transporte les miasmes de toutes sortes de maladies sournoises qui vous bouffent le ventre à petit feu, Mademoiselle Rodenkraun. J'ai entendu dire qu'il y avait une salle des trésors sur ce navire. Savez-vous où elle se trouve? Non. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, mademoiselle. Vraiment. Et puis, convenez-en, si je savais quoi que ce soit, ce serait une information tout à fait confidentielle. À bientôt. Il a dit que c'était derrière un sac des archives. Ne touchez pas à ça, voulez-vous? Il va me saouler, lui. Il peut pas dégager. Où en es-tu, Malkia? J'ai un petit contretemps, un peu de patience, Siri. Hein? Quoi? Mais tu te fiches de moi, Malkia? J'ai besoin de ton aide, Siri. Je voudrais que tu te fasses passer pour le directeur du personnel de la Zurich Bank of Africa. Je voudrais que tu annonces au banquier de Rodon qu'il a obtenu sa mutation en Norvège. Ok. C'est noté, Malkia. Mais je te prie. Fais ce que je te dis, Siri. Son numéro est le 0041 02 48 30 16. Ah, du coup, elle glisse sur le sol, quoi. Du coup, le numéro, ça va à quelque chose, mais elle le fait automatiquement. Pourquoi pas? Avec Kate, on aurait dû sortir le téléphone portable et le taper. Mais elle le fait automatiquement. Ce n'est pas trop tôt. Bon, mais écoutez, facile, hein. Donc du coup, c'est une statue du roi Rodon. Qu'est-ce qu'on a récupéré?
Médaillon de Rodon. Ok. Je pense que derrière, c'est la salle des trésors. Même si c'est bizarre, l'autre, il a pas l'air d'être hyper au courant. Doit être la poupée de la tribu Boulou. Ah merde, c'est grave bizarre. Alors attends. Poupée vaudou. Poupée vaudou, poupée vaudou, ok. Donc on a les arbres. C'est pas la poupée des Molgraves ? Avec le chapeau là, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Attendez, il y a un petit coffre-fort. Je vois pas l'intérêt de combiner une poupée avec ce truc, mais bon écoutez, je teste, hein, je vois pas trop. Hein. Bravo, vous m'avez bien roulé. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Je ne vois pas quoi lui dire. Je n'ai rien à ajouter. Y a pas la poupée du banquier? Ça ne lui servirait à rien. Ah, il est avec son flingue, mais qu'est-ce qu'il a, lui pète les plombs. Je refuse de lui donner cet objet. C'est lui, ça c'est la poupée du banquier. Ouais, c'est ça. La petite poupée coffre-fort, c'était la poupée du banquier. Il nous sert bien ce briquet, hein. On allume plein de trucs avec ça. Ah, mais c'est vrai que j'ai ça aussi. Pont du trésor. Je peux pas y lire. Ok, bon, tant pis. Alors attendez, c'était une petite statuette qu'il fallait récupérer pour le boulot. Donc, est-ce qu'on l'a récupéré ou pas? Je ne sais pas. Peut-être, on va retourner le voir, on va voir si...
Au fait, que puis-je faire pour vous, Wamganga ? Dans la salle des trésors, il y a une petite statuette que j'aimerais récupérer. Au revoir. Malk. Bien. Mais c'est celle-là, du coup ? Je refuse de lui donner cet objet. Ok, donc ça devait être ça. Écoutez, on va passer, on va avancer. Ça devait être ça. Non, c'est trop dangereux. Ah merde. Ah mais il faut que je le referme alors. Parce que sans le vouloir, j'ai dû l'ouvrir pour faire fuir le singe que je n'avais... On dirait que l'eau les a fait fuir. Pas vu. Attends, qu'est-ce que j'ai ramassé là? C'est mon léopard, ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas ça. Mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Oh, oh. De quoi c'est pas ça là? Non, je ne vois pas pourquoi je lui donnerais ça. Non mais attends, est-ce que je peux avoir 2-3 explications, s'il te plaît? Mon léopard, il est gravement blessé, vous pouvez faire quelque chose pour lui? Aide-moi, et je t'aiderai. Wamganga, il faut que vous fassiez quelque chose pour mon léopard. Je peux lui redonner un peu de force. Tu vas faire comme je dirais, Malka. Au revoir. Bah dis-moi. Bah dis-moi. Il me crie. Je n'ai pas de raison de lui offrir ceci. Non, je ne vois pas pourquoi je lui donnerais ça. Mais moi je veux bien, mais il faut que tu me dises. Je ne vois pas quoi lui dire. Je refuse de lui donner cet objet. Ça ne lui servirait à rien. Je refuse de lui donner cet objet. Je n'ai pas de raison de lui offrir ceci. Je refuse de lui donner cet objet. Je n'ai pas de raison de lui offrir ceci. D'accord, mais Attends. Parce qu'il veut que je l'aide. Je n'ai rien à ajouter. C'est pas ce qu'il m'a dit ? Oh putain, mais attends, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, écoutez, l'épisode commence à être un petit peu long. Donc je pensais que ce serait certainement le dernier, et en fait non, on a encore des choses à faire. Je sais pas pourquoi mon léopard est... Enfin, je sais pas pourquoi. Apparemment il est blessé, et le Wanganda, Wandanga, excusez-moi, je suis désolé. J'ai du mal à dire son nom. Le chef des boulots, on l'a pris comme ça. Même si je ne sais pas c'est que chef. Il veut éventuellement peut-être me soigner, mais il me dit qu'il faut que je l'aide pour qu'il m'aide, mais je sais pas ce qu'il veut de moi. Est-ce que c'est toujours cette histoire de statuette ou pas? Je ne sais pas. Écoutez, on va s'arrêter là les amis, je vous dis à tous bye bye, à très bientôt, et je pense que le prochain épisode sera le dernier. À très bientôt.